Bonjour à tous, c'est Doc McCoy, on se retrouve pour le test de Super Puzzle Fighter 2 Turbo sur arcade, édité et développé par Capcom, sorti en 96. Donc la version arcade, c'est sur borne CPS2, donc borne maison de chez Capcom. C'est sorti également sur PlayStation 1, Saturn et PC, et c'est ressorti en compile sur Dreamcast, GBA, PSP, Xbox 360 et PS3, dans des versions légèrement différentes, mais toujours basées sur le même principe. Le titre du jeu est un clin d'œil à Street Fighter 2 et à ses nombreuses versions. Il n'y a pas de Super Puzzle Fighter 1, ça n'existe pas. Le jeu s'appelle comme ça juste pour souligner le fait qu'il y a eu des versions super, des versions turbo, des versions machin de Street Fighter 2. Et donc c'est juste pour le clin d'œil en fait. Hein. C'est un principe de jeu, vous allez le voir, qui est assez proche d'un Puyo Puyo. Pour voir un petit peu ce que c'est qu'un jeu proche de Puyo Puyo, je vous invite à regarder mon test de Dr. Robotnik Meets Big Machine qui a été publié il y a très très longtemps, mais dans lequel je vous expliquais un petit peu le principe des jeux de Puyo Puyo. Et c'est un jeu de puzzle en versus only, c'est-à-dire que même contre l'ordinateur, quand on joue tout seul, on affronte un adversaire virtuel. Je vais mettre un crédit. Vous voyez que quand on met pas de crédit, en fait, il y a Dan, qui est issu de Street Fighter Alpha, vous voyez à l'écran, hein, qui nous explique de manière loufoque les règles du jeu. Donc ça, c'est vachement bien. Donc je vous invite, hein, la première fois que vous lancez cette ROM, à laisser en fait tourner le jeu sans mettre de crédit pour avoir les explications de Dan qui sont très complètes. Mais moi, je vais mettre un crédit, vous allez devoir vous contenter de mes explications. Voilà, donc on va mettre même plus qu'un crédit, on va mettre quelques-uns, comme ça on est tranquille. Et on appuie sur Start. On va choisir le mode normal, puisqu'en fait en Easy on a que 3 stages, alors qu'en normal et en hard on a les 8 stages, donc les 8 combats. Mais je vais laisser en normal, parce que la façon dont tombent les blocs et la façon dont on va devoir jouer, en fait, c'est plus compliqué. L'IA est plus compliqué en hard, évidemment. Donc on va laisser en normal et on va sélectionner en fait les personnages. Vous allez voir qu'on a le choix entre 8 personnages. On choisit un personnage parmi 8. On a Ryu, Chun-Li et Ken qui sont issus de Street Fighter 2. On a Sakura qui est issu de Street Fighter 2 Alpha 2. Et tous les autres qui sont issus de la licence Darkstalkers, qui est une autre licence de jeu de baston. Morrigan et Felicia sont issus de Darkstalkers 1. Blaf Felicia justement, et Donovan et Sienko, aussi appelé Lei, je crois, ils sont issus de Darkstalkers 2. Et donc on fait 8 combats en fait, et on s'affronte soi-même, et après il y a un boss final que je vous dévoilerai pas, mais les habitués de Street Fighter savent très bien qui c'est, hein. Voilà. Et du coup, bah, je vous explique le jeu. En fait, on a toujours deux blocs qui descendent, une paire de blocs qui descendent qu'on peut tourner à notre guise. Et en fait, les blocs en forme de gemmes, quand on les empile, quand on les combine, il se passe rien. Voilà. Donc ça, vous allez les voir ensuite. C'est qu'on peut aussi faire des power gemmes. Vous allez le voir après. Là, je peux pas en faire. Là, je vous montre directement les crash gemmes. C'est ces petites gemmes rondes. Ici, je vais faire un power gem. Hop. Voilà, ça c'est un power gem, c'est quand on associe des gemmes en fait de la même couleur sous forme d'un rectangle ou d'un carré, ça fait un power gem, ça devient une grosse pierre précieuse et c'est plus puissant en fait, vous allez voir, je vais le lancer. C'est plus puissant que si j'avais dégommé 4 gemmes au lieu de cette power gem qui en faisait 4, voilà. Vous allez me dire comment on dégomme les gemmes, vous avez vu, avec les crash gemmes. Donc ici par exemple, j'associe des gemmes ordinaires avec une gemme bleue, une gemme ronde pardon, qui est une power gemme, qui fait, enfin qui est un crash gemme qui va faire exploser les autres gemmes. Et en fait quand on fait exploser des gemmes, on envoie des counter gemmes à l'adversaire, notamment, donc c'est des counter gemmes au départ, c'est des blocs qu'on ne peut pas faire péter. Hop, parce qu'ils sont, parce qu'il y a un compteur. Tant que le compteur il défile, on peut rien faire. Le compteur j'ai battu mon adversaire. Le compteur en fait il défile à chaque fois qu'on fait tomber, qu'on fait tomber des blocs dans notre fenêtre. Le compteur décrémente de 1. Alors il y a des compteurs qui sont à 3, à 4, à 5. Et voilà. Et à chaque fois, comment dire, à chaque fois qu'on fait à chaque fois qu'on fait tomber un bloc, ça décrémente de 1. Une fois que le compteur arrive à 0, ces counter gemmes deviennent des gemmes normales. Et on peut après les faire disparaître. Donc ça, c'est assez intéressant.
Parce qu'en fait, alors souvent en fait dans les Puyo Puyo par exemple, les gemmes qu'on envoie à l'adversaire, elles sont inertes dans le sens où elles sont grises. Et il faut faire péter d'autres blocs à côté pour les faire disparaître. Ici c'est pareil, hein, si vous faites péter en fait des counter, enfin si vous faites sauter en fait une gemme et une crash gemme à côté d'une counter gemme, même si elle est encore sous forme de compteur, elle va quand même exploser. On peut quand même les faire exploser avant la fin du compteur si on est malin. Donc ça, on va le faire disparaître. Le but, en fait, pourquoi on s'amuse à faire des power gems? Parce que, comme leur nom l'indique, les power gems, elles sont puissantes dans le sens où, je vous l'ai dit, 4, par exemple, un rectangle, enfin un carré ou un rectangle qui se compose d'un certain nombre de gemmes ordinaires qui forment une power gem sera plus puissante que le nombre de gemmes normales qui la composent, tout simplement. Donc c'est important d'essayer, pas toujours possible, d'essayer de constituer des power gems. Là vous avez vu le diamant c'est la spéciale gemme, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûr de mes notes pour le coup. C'est une gemme en fait qui apparaît de temps en temps et qui permet en fait de faire exploser toutes les gemmes de la couleur qu'elle touche. Si vous l'associez avec des gemmes rouges par exemple, là je vais crever, voilà, c'est bon. Vous avez compris, hein, si vous atteignez le plafond et que votre adversaire est toujours là, vous perdez. Donc là, continue. On va changer de personnage, on va prendre Donovan. On va essayer de changer de personnage chaque fois que je meurs, comme ça. Donc je vous ai parlé des power gems, je vous ai parlé des counter gems, je vous ai parlé du bloc diamant, je vous ai parlé de tout en fait, hein, plus ou moins, vous avez les bases du jeu. Hop, les blocs bien sûr qu'on reçoit sont identiques d'un joueur à l'autre. La séquence de blocs elle est identique pour justement, bon, tiens, on va lui envoyer déjà ça. Alors je vous ai pas parlé des réactions en chaîne, hein. On peut faire des chaînes dans le sens où si par exemple je fais péter des blocs bleus avec un crash gem et que juste derrière il y a un autre crash gem d'une autre couleur qui tombe sur des blocs de la couleur qui lui sont associés, et ben ça va péter aussi, donc ça va créer une réaction en chaîne. On va envoyer ça, parce que voilà, je vais faire de la place. Ici j'aurais pas dû faire cette ligne, j'aurais plutôt dû faire des power gems, c'est pas grave. De toute façon, je vais crever et je reprendrai après. Donc les réactions en chaîne, c'est très 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 efficace, même avec des petits nombres de blocs, parce que ça multiplie en fait le nombre de blocs qui vont être envoyés, et donc c'est assez efficace. Faut pas hésiter à essayer d'en faire, même des petites. Et puis ça rapporte des points à la fin au décompte, quand vous avez gagné, voilà, le décompte de vos points, il décompte le nombre de crash gems, le nombre de power gems, le nombre de spéciales, le nombre de... Oh merde, saloperie de... Je voulais pas faire ça, mais c'est pas grave, je vais pouvoir me refaire, voilà, comme ça. Hop. Il décompte en fait le nombre de trucs que vous avez, donc là évidemment, on va se mettre sur du bleu pour nettoyer l'écran. Sachant que nettoyer l'écran, c'est pas forcément le but, hein, dans le sens où ces trucs-là, qui vous envoient, ils sont quand même intéressants. Hop. Là, j'ai par exemple une grosse power gem que je vais pouvoir utiliser, qui s'est formée toute seule. Pourquoi les gemmes se forment toutes seules, les power gems se forment toutes seules? Parce qu'en fait, la façon dont l'adversaire vous envoie des gemmes, des counter gemmes, elle est prévue à l'avance par le schéma propre à cet adversaire en fait. Vous avez en fait un schéma de counter gemmes qui est indiqué en fait lorsque l'adversaire est sélectionné dans le schéma de bataille, en fait, juste avant que l'adversaire soit choisi, vous avez en fait un schéma de counter gem. Alors moi au départ je croyais que c'était un schéma qu'il fallait faire pour faire une attaque spéciale, mais c'est impossible de le faire. C'est pas du tout ça en fait, c'est la façon, donc là j'ai battu Chun-Li, c'est la façon dont vont tomber les counter gems en fonction de l'adversaire. Et plus vous avancez dans les adversaires, en fait certains adversaires comme Ken ou Ryu, c'est des lignes ou des colonnes. Chun-Li, c'est des blocs carrés qui tombent, donc c'est très intéressant parce que ça va permettre de récupérer des... Donovan contre Donovan, bon. Ça va permettre de récupérer vite des power gems. Et avec d'autres adversaires, ça fait des diagonales, des machins, donc c'est plus compliqué. Donc ce schéma-là,
C'est pas un truc à faire, hein, comme on pourrait avoir, comme vous avez dans certains jeux de baston, ils vous donnent le... Ils vous donnent le, des combos à faire avec cet adversaire. Non, là, c'est tout simplement la façon dont vont tomber les blocs qui vous sont envoyés. Donc, c'est vachement intéressant, ce schéma. Ça va vraiment compliquer la tâche en fonction de l'adversaire. C'est ce qui va faire les différences entre les adversaires. Parce que sinon, à la base, ils sont pas plus rapides les uns que les autres. Ils ont le même tirage que nous. Donc, qu'est-ce qui différencie un adversaire d'un autre ? Et ben, c'est la séquence, justement, de chute des blocs. Et ça, c'est vachement important. Si on arrive à anticiper ça, on peut être très bon à ce jeu, ce qui est pas mon cas, parce que moi j'ai une jauge d'anticipation qui est proche de zéro, hein, donc même mes propres réactions en chaîne, j'ai du mal à les anticiper, donc ceux de l'adversaire, c'est même pas la peine. Mais c'est important de préciser que ce schéma, si on le connaît, si on arrive à l'anticiper, il peut être très très important pour justement prévoir l'issue du combat. Hop. Donc vous voyez que entre les deux tableaux, donc le nôtre et celui de l'adversaire, vous avez en fait un combat qui se déroule en fait entre les deux avatars. Et à chaque fois qu'on fait des attaques, à chaque fois qu'on envoie des blocs, on va prendre Ken par exemple. Au passage, vous avez vu que selon si j'appuie sur la touche 1 ou la touche 2, parce qu'il y a que deux touches hein, dans le jeu, la couleur de mon personnage ne sera pas la même. Ça, c'est comme dans les jeux de baston, hein, selon qu'on appuie sur une touche, il va changer de couleur. Hop. Donc je vais essayer de changer de personnage de manière assez régulière. J'escompte pas aller au boss final ou un peu assez loin dans le jeu. C'est juste pour vous montrer les rudiments du jeu. A savoir que je commence tout juste à être à peu près à l'aise avec ce jeu. Pas à l'aise dans le sens où je suis bon, mais à l'aise dans le sens où j'arrive à peu près à faire des trucs. Au début, je comprenais rien de rien. Et pour ça, je vous invite à regarder le tuto de Dan au début du jeu. C'est vachement important. Bon, bien pigé, pas être paumé. Hop, on va faire ça. Comme ça, quand ça va péter, ça fera une réaction en chaîne. Notamment maintenant. Petite réaction en chaîne. Vous voyez, Shoryuken. Là, il nous fait en fait une attaque. Parce que j'ai fait un truc un peu spécial. Donc des fois il fera Hadoken, Shoryuken. Ça dépend de ce que j'en... du nombre de la puissance de mon attaque, tout simplement. Et vous voyez que vous avez les adversaires aussi qui changent de tronche. Soit s'ils ont beaucoup de blocs, bah, ils vont être un peu paniqués, etc. Soit au contraire, s'ils maîtrisent et s'ils nous font des attaques, ils vont un petit peu se la péter. Et c'est nous qui allons comme là. Ken il l'a un peu mauvaise parce que je suis en train de perdre. Et vous voyez là c'est marqué warning, caution. En fait selon la puissance de l'attaque que va m'envoyer l'adversaire, ça peut être marqué warning, caution ou danger. Et ça va signifier que ça va chier pour ma gueule. C'est en fonction du type d'attaque qu'il nous envoie. Hop, on va prendre Sakura, pardon, je me suis trompé. On le verra peut-être pas tout de suite, mais il va se passer un truc à peu près au milieu de la partie, quand on va avoir vaincu les 4 premiers adversaires. J'espère que je pourrai vous le montrer, sinon bah, j'ai noté pour rien. On va essayer de se concentrer. Hop, donc vous voyez, quand on associe deux crash gems ensemble, elles pètent l'une l'autre. Ça peut être utile pour se débarrasser de choses dont on n'a pas besoin. Donc là, on va faire, vous voyez, hop, une power gem. On va essayer d'en faire d'autres. Hop, voilà. Si je peux en faire une grosse, ça peut être pas mal. Plus c'est gros, plus ça fait des points, hein, évidemment. Hop. Ouais, allez, hop. Ça compte pas comme une power gem ce que je viens de faire, parce que j'ai... Allez, Hadoken. Hop, tac. Donc là, il m'envoie de la merde. Je l'entends, hein, je regarde pas ce qu'il fait, mais j'entends... dès qu'il fait des attaques, on l'entend. On entend qu'il fait des... Il donne le nom de l'attaque. Si j'entends. Si je suis contre Ryu et que j'entends Hadoken, c'est que je vais m'en prendre une. Hop. Et la musique s'accélère évidemment. Alors parfois, on sait pas pour qui elle s'accélère. Là, elle s'accélère pour Donovan, pour l'adversaire. Mais elle pourrait très bien s'accélérer également pour moi. Danger. Alors là, ça va péter pour ma gueule. Alors là, c'est mort. Voilà. Vous avez vu Danger. Bah, c'est une grosse attaque. J'ai pas vu ce qu'il m'a fait, mais voilà, c'est une grosse attaque.
On va prendre Xianko. Donc je vais... Bah, de toute façon, il mouline, mais c'est toujours le même. Hein. J'espère quand même que je vais pas rester bloqué à Donovan. Donovan qui est un adversaire sérieux. De par son schéma, de par un tas de choses. Hop. Voilà, ça sert à rien de faire ça. On va plutôt faire ça, voilà. Pour essayer de créer des power gems. Là, évidemment, faut faire des choix. Hein. On peut pas toujours avoir un bon tirage. De même que le tirage des crash gems, il est pas toujours favorable. Des fois, on en aura beaucoup alors qu'il n'y a pas grand chose à faire péter. Et des fois, on en aura peu. On va essayer de se concentrer. Allez, c'est naze ça. Voilà, là c'est bien. Réaction en chaîne. Petite chaîne, mais bon. Merde, j'aurais dû le mettre à l'envers. Ça aurait été pas mal ça. C'est pas grave, ça va péter plus tard. Ça peut être sympa aussi d'avoir des crash gems qui traînent. Qui traînent au fond comme ça. Et puis en cas de réaction en chaîne. Mais bon, il faut avoir un minimum d'anticipation. Ce que j'ai pas vraiment. Allez hop. Là, c'est pas cela que j'aurais dû faire péter les rouges peut-être. Hop là. Voilà. Bon, c'est pas tellement payant ça, mais enfin ça dégage l'écran un petit peu. Hop. On essaye. Mais là je crois que c'est fini pour moi dans pas longtemps. Oh là là. Hop. J'arrive pas à faire des chaînes. Pourtant j'ai beaucoup de blocs à faire sauter. Ce serait pas mal si j'arrivais à m'en débarrasser en faisant des chaînes, mais là. Là, il me file. Quand il file un bloc et la même couleur associée, bah il faut réussir à s'en débarrasser sans les faire péter juste à deux, parce que sinon ça sert à rien. Quoi. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Ah bah là, c'est fini là. Voilà, là, c'est fini. Ça va être compliqué. Hein. Donc, vous le verrez peut-être à la moitié du jeu, lorsqu'on a vaincu 4 adversaires. Je vais prendre Donovan, comme ça peut-être Donovan contre Donovan, ça va le faire. On a un petit interlude qui met en scène les personnages et qui dépend en fait des personnages que l'on vient de vaincre. Où il y a aussi l'apparition de Dan, qui est un peu le ressort comique du jeu dans les petites scénettes, c'est assez rigolo. Donc ce que vous pouvez constater graphiquement, n'est-ce pas, c'est que le jeu se tient bien au niveau des petites animations des personnages qui se combattent. C'est très joli. C'est animé, hein, parce que ça bagarre. Hein. Dès que les joueurs, les vrais joueurs, font des actions avec leur petit cube et leurs gemmes, etc. À côté, ça se tatane pas mal. On va faire une autre ici. On va essayer. On va pas forcément faire des super grosses, mais alors ça, on va le faire péter. Hop. Ça peut être pas mal, dit. Hop. Ça peut être pas mal du tout. Après, il peut aussi me bloquer avec les gemmes qu'il m'envoie. Donc, bon. Hop. Donc là, vous voyez, ce serait pas mal si... Ah là 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 là. Si je recevais un truc rouge, ce serait pas mal. Avec une crash gemme rouge, mais là c'est foutu parce que bah, j'ai perdu. Il y a peut-être moyen là que ça s'enchaîne, non? Non, pas. Voilà, vous voyez là j'avais des bonnes pièces, mais il aurait fallu jouer plus vite en fait. Il aurait fallu jouer plus vite, c'est ça aussi. Hein. On va prendre. Qui j'ai pas pris encore? J'ai pris tout le monde, je crois. Ou Chun-Li, j'ai pas pris, je crois. Je vais prendre Chun-Li. Donc vous avez des jolies animations pour les persos en SD, en fait, en Super Deformed, qui se trouve au milieu. Moi je dis c'est pas mal parce que. Bah, souvent les jeux de puzzle, le background visuel il est assez austère, c'est-à-dire que bah on a des petits décors, des petits machins, mais il se passe pas grand-chose. Et voilà, ce qui est important c'est qu'on comprenne ce qui se passe au niveau de l'action, des gemmes, des contres, des counters et des machins. Mais c'est pas indispensable hein, le fait d'avoir les petits personnages au milieu qui se parlent, qui se tatanent et tout ça. Et c'est vachement dynamique, moi ça me plaît, hein. Ça me plaît, je trouve ça.
c'est assez utile. C'est pas utile du tout, mais c'est assez, assez plaisant pour le background du jeu. Ça permet en fait de, d'illustrer en fait le background d'un jeu de puzzle où bah, l'intérêt graphique il est quand même en général assez limité. Tant qu'on comprend ce qui se passe, le reste normalement on s'en fout un peu. Et ici, bah, ici non quoi. Ici c'est quand même assez intéressant. C'est assez intéressant d'avoir ces, ces petites bagarres au milieu. Voilà, le design des personnages in-game est très réussi. Les portraits lors de l'action des combats, quand vous déclenchez dans la bagarre, en fait, vous avez des portraits en très grand des adversaires. C'est un peu moins réussi à mon sens. J'aime moins. C'est un peu plus froid, un peu plus neutre. Bon, après, ils sont peut-être issus de certains jeux Street Fighter ou Darkstalkers que moi je connais pas. Je connais pas toutes les licences, notamment les Street Fighter Alpha, les trucs comme ça, je connais pas trop. Alors, hop, ça peut être pas mal. Voilà, ça va péter bien, mais ça a pas pété assez. Ça a pas pété assez. J'aurais aimé des réactions en chaîne un peu plus. Il aurait fallu les prévoir. Et encore une fois, c'est pas mon fort. Pendant ce temps-là, il s'acharne, l'autre derrière. Voilà, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Merde! Ah, c'est pas mal. Ah, ça pète. Des petites réactions en chaîne, mais toutes petites. Et lui, il a son écran tout vide de l'autre côté. Hein. Donc, c'est mort. C'est pas grave, on va y arriver. Les décors sont aussi inspirés, en fait, sans être directement repris, mais inspirés des deux licences qui illustre ce jeu, à savoir merde, j'aurais dû appuyer sur l'autre touche pour avoir l'autre couleur, mais c'est pas grave. Décor inspiré sans être directement repris des licences Street Fighter 2 et Darkstalkers. Vous avez vu que la difficulté c'est Easy, Normal et Hard en CPU, donc je vous ai dit hein, Easy c'est vraiment au départ vous avez que 3 combats contre 8 normalement, donc c'est vraiment pour se faire la main. Normal vous avez les 8 combats, donc il va c'est un peu plus long. Et en hard, en fait, c'est la même chose, mais avec une IA qui est plus forte, en fait, qui fait des jobs là, elle est pas mal. Une IA qui est plus costaud au niveau des puzzles. On va essayer de jouer un peu plus vite. Si on arrive à jouer plus vite, ce serait pas mal, parce que lui, par contre, il joue beaucoup plus vite que moi. Il fait des enchaînements, il fait des machins. Donc, si on peut jouer un peu plus vite, merde. Alors, on va le mettre là. Hop, ça, on va faire une power ici. Hop, et là il commence à m'envoyer de la merde. Hop, et j'ai zéro crash gem, hein. J'ai que dalle. C'est un peu le problème, c'est que là j'ai pas eu un très très bon tirage. Parce que là vous voyez, hop, voilà. J'ai rien du tout. Enfin, bon, après il a eu le même que moi, hein. On a eu le même tirage, hein. Donc je peux pas me plaindre, hein, mais il l'a mieux géré que moi, quoi. Vous voyez, si j'appuie sur la touche 1, il reste en rouge et sinon il est en blanc. Donc on va continuer à changer de personnage, enfin à la limite, peu importe quel personnage je choisis, puisque là, c'est pas une question de personnage. Hein. Donc, au niveau des musiques, vous avez les thèmes musicaux en fait du jeu qui sont directement en fait des remixes. Des remixes des thèmes de... Bah là, en l'occurrence, ça doit être un remix du thème de Donovan, dans Darkstalker 2. Pareil, hein, on a des remixes de thème Chun-Li, thème de Ken, etc. pour les personnages concernés. Donc, bon. Hop, tiens, je t'ai envoyé ça. C'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Hop. Si on pouvait avoir... Alors ça sert à rien, on va le laisser de côté. Hop. Tac. Donc je vous disais, ouais, les musiques donc, sont reprises des licences dont le jeu est inspiré. Donc globalement des bonnes musiques. Vous avez les sons qui se composent essentiellement d'onomatopées, de bruit de combat, non attaque en japonais... Et les bruits d'impact des gemmes, évidemment. Hein. Le tout est très dynamique, très raccord. Hop, allez, tiens, prends ça. On va peut-être y arriver à un moment donné, à faire quelque chose. Parce que là, ça commence à être long de rester bloqué sur le même adversaire avec la même musique. J'aurais bien aimé
montrer autre chose. Et là, le truc, c'est que faut que j'arrive à lui envoyer des trucs. Et là, il pouvait m'envoyer des crash gems, comme là. Ce serait pas mal. En vert, tac. J'aimerais bien faire péter la grosse gemme qui est au bout là. Allez, hop, ici. Ça va pas tarder. Oh là 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 là, ça fait mal. Ça fait mal. Lui, il m'envoie de la merde. Il continue, lui. Il me lâche pas. Hein. Tac. On va y arriver. Je me concentre. Hein, là, je vous détaille pas le jeu. Je me concentre. Tiens, tu vas prendre ça. Hop. Ça devrait être pas mal. Pas trop en fait. Ah, j'aurais bien aimé. Ah, ouais, alors voilà, hop, ça va être pas mal. Parce que normalement, ça devrait s'enchaîner. Ah, bah non, merde. J'allais dire, ça devrait s'enchaîner, mais non. Là, oui, ça va s'enchaîner. Ah, bah je l'ai eu. C'est bon, je l'ai eu. Bon, comme ça, on va pouvoir passer à un niveau suivant. Donc, bah, vous avez vu, hein, l'ambiance musicale, la musique, le son. Très raccord avec le graphisme et l'ambiance générale du jeu. Ça colle. Y a aucun souci. Donc là, on va affronter Ryu. Donc on va avoir normalement une musique que vous connaissez déjà. Enfin, qui est beaucoup plus connue, parce que moi personnellement, je connais un peu plus Street Fighter 2 que Darkstalkers. Voilà. Donc au début, on reconnaît pas, puis vous allez voir après, ça va être un peu plus parlant. Hop. Alors de mémoire, non, ça c'est pas le thème de Ryu, ça. Ça ressemble plus au thème de Balrog, enfin du boxeur. Donc en fait, c'est pas forcément raccord avec le personnage, mais en tout cas, c'est raccord avec le jeu. Donc, ce qu'il faut noter en fait dans ce super, faut pas que j'oublie des mots, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. C'est qu'en fait le système de bloc avec un compteur, ça peut vraiment tout faire basculer, vraiment. Dans le sens où si vous avez un adversaire qui vous envoie des blocs qui vont bien s'enchaîner avec les blocs que vous avez posés vous, quand les compteurs arrivent à zéro, parce que vous voyez voilà, là il y a quasiment que des 5 qui sont tombés, donc ils vont tous devenir des gemmes en même temps. Donc à un moment donné, ça peut produire des résultats intéressants, et notamment moi ça m'est arrivé plein de fois, là ça se voit pas hein, mais ça m'est arrivé plein de fois hop là, d'avoir de dire bah je vais crever, et la dernière pièce ça se met à exploser de partout, je comprends pas ce qui se passe, et limite je gagne, et ça m'est arrivé plein de fois, et ça m'est arrivé aussi le contraire, c'est à dire où je pensais avoir gagné, j'envoie des attaques, le mec il prend cher en face, et à un moment donné ça pète de tous les côtés chez lui, et je comprends plus rien à ce qui se passe, et je meurs. Ça m'est arrivé plein de fois. Donc il y a un côté imprévisible avec ce jeu, et là ça va faire mal. Ah bah, vous avez vu ça? La grosse attaque qu'il nous a fait Ken là. Et pourtant, il est pas mort encore. Parce qu'il va sûrement avoir des gemmes qui vont se déclencher là maintenant. Et c'est peut-être pour ma gueule que ça va être cher. Parce que là, j'ai fait une grosse attaque. Plus, je crois qu'il y avait une réaction en chaîne dedans. Bon. Donc, le système de blocs avec des compteurs, ça peut vraiment tout faire basculer. Ouais, c'est pas très intéressant ce que je viens de faire là. J'ai fait deux attaques de deux couleurs différentes, mais en même temps. J'aurais dû m'arranger pour que ça fasse une réaction, même une petite réaction en chaîne. Ça aurait été intéressant, mais bon, bah, j'avais pas le choix. Et là, vous voyez, lui, son écran, il est plein, mais j'ai pas d'attaque en cours. Donc, peut-être que c'est moi qui vais perdre finalement. Parce que lui, par contre, il m'a attaqué. Vous voyez, Danger, c'est moi qui perds. Vous voyez, typique, il y a 3 secondes, son écran à lui, il était plein. Il se prenait 2 blocs, c'était fini. Et pourtant, c'est moi qui ai perdu. Ah merde, des crédits, hop là. Je vais reprendre Morrigan avec l'autre couleur. Tout à l'heure, elle était blonde, là, les cheveux gris.
Et donc vous voyez, il y a un côté vraiment imprévisible qui est à la fois, qui peut être frustrant au début, j'avoue, mais au final, c'est ça aussi qui fait tout le charme du jeu, c'est que la victoire n'est jamais acquise tout de suite, quoi. Sauf quand vous avez un bon esprit d'anticipation et que vous pigez, vous percutez rapidement au niveau du jeu. Et ça, c'est au bout de pas mal d'heures de jeu quand même. Ça, c'est des petites attaques, mais bon, je peux pas rester à rien faire non plus. Il faut à un moment donné que j'attaque, quoi. Il faut à un moment donné que je fasse des trucs. Ça peut aussi être une stratégie payante de pas forcément attendre d'avoir que des grosses attaques, mais de ça, je m'en débarrasse. D'essayer de saturer un petit peu l'écran du joueur d'en face, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut lui envoyer des trucs, quoi. Et quand on lui envoie des trucs, il faut essayer de continuer à le harceler. Parce que sinon, lui, il va se servir de ce que vous lui avez envoyé. Comme là, comme maintenant, vous voyez. C'est ça aussi le problème, c'est si on réfléchit trop longtemps et qu'on joue trop lentement, comme moi, à un moment donné, c'est pas une stratégie gagnante, hein. Donc on va finir par gagner parce que c'est un jeu d'arcade, on met des crédits, mais hop, donc là si je fais ça, non, ça fait deux attaques simultanées, et ben j'ai gagné. Donc là vous voyez, j'ai plutôt bien géré mon tirage, mais c'était pas le cas les parties précédentes, hein. Donc on a vraiment ce côté imprévisible. Alors voilà, interlude, donc là on voit Dan, on voit Sakura, on voit Ken, et il se passe une petite scénette, une petite mise en scène. Où il y a Ryu parce que je viens de battre Ryu. Et là donc, forcément, tout à l'heure j'avais le même personnage que mon adversaire, mais j'ai changé de personnage, donc maintenant je me retrouve contre le même personnage puisque Morgane n'est pas encore passé. Donc Super Puzzle Fighter 2 Turbo, j'ai oublié le turbo dans mes notes, vous voyez, se veut une sorte d'improbable jonction entre un Puyo Puyo et les jeux de baston sous licence Capcom. Improbable et pourtant ça fonctionne. C'est loin d'être un simple recyclage visuel, dans le sens où ce serait un autre jeu, typiquement un Puyo Puyo sans réelle nouveauté, qui serait réutilisé avec un habillage Street Fighter Darkstalkers. Je n'y aurais jamais arrivé à le dire. Hein. J'ai un anglais déplorable, mais alors là, Darkstalkers, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à le dire spontanément. Hop, une grosse Power Gem. Là, ça va. J'allais dire ça va pleuvoir en face, j'ai entendu rigoler, mais c'est pas une grosse attaque. Allez, tiens, hop, bim. Shadow Wave. Quand tu fais ça, ça fait mal. Non, mais là, je joue trop lentement, je suis sûr que je vais perdre alors que j'avais l'avantage il y a 2 secondes, vous voyez. Et là je vais perdre, vous allez voir. Ah, j'aurais dû l'inverser. Si j'avais inversé les deux crash gems, là ça aurait fait un truc sympa. Mais j'ai fait le con. Tout ça parce que comme souvent avec les Tetris, les jeux de puzzle, j'utilise toujours la même touche pour tourner. On va garder Morrigan. Du coup celle d'en face, elle va changer de couleur. Parce que moi j'ai changé de couleur. C'est pour ça qu'il y a deux couleurs. Hein. Là, il y a 2 secondes, j'affrontais Morrigan blonde et j'étais Morrigan aux cheveux gris et inversement. Donc c'est loin d'être un simple recyclage. En fait, le jeu a ses mécaniques propres et notamment le système des counter gems qui rend vraiment l'issue des matchs très 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 difficile à prévoir pour les néophytes comme moi. C'est un peu plus facile pour les vieux briscards de ce jeu, mais pour les débutants, c'est complètement impossible de prévoir avec certitude l'issue du combat. Contre le CPU, j'entends. Après, contre un joueur humain, ça dépend du niveau. C'est particulièrement intéressant dans ce jeu de jouer contre un joueur de niveau équivalent au vôtre. Parce que justement, ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui va se passer, quoi. L'issue du combat est plus incertaine. Donc comprenez en fait le côté incertain, je le résume. Quand on débute, il arrivera sûrement souvent en fait qu'on perde sur une attaque dévastatrice alors qu'on avait l'avantage, alors qu'on était en train de gagner, si l'adversaire a mal géré son tirage, ça peut être le contraire, on va gagner alors qu'on jouait pas spécialement bien, on n'avait pas spécialement nous une bonne façon de gérer nos pièces, mais au final on va perdre quand même. On va gagner quand même, je veux dire. Putain. Même dans ma conclusion, c'est laborieux.
C'est là. Ah putain, il y a des beaux trucs à faire là. Il faut que j'y arrive. Hop. Voilà. Ah putain. Il faut que j'arrive à créer des. Oh là 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 là. Ouais, j'ai perdu. Vous avez vu les machins que j'avais en bas? Les super power gems que j'avais en bas, et j'ai perdu quand même. Parce que, bah voilà, j'ai pas. Les power gems sans les crash gems, c'est rien du tout quoi. On va prendre. Félicien, on l'a pas pris beaucoup. On va la prendre. Donc en fait, il faut une bonne maîtrise du jeu, une bonne rapidité d'exécution, les deux ensemble. Parce que si on fait des. On pose bien les gemmes mais qu'on joue lentement, comme moi. Enfin, je dis pas que je pose bien les gemmes à chaque fois, mais si on essaye de faire des trucs bien sans jouer vite, ça va se retrouver à un moment donné, on va être pénalisé parce que l'adversaire lui en face il a les mêmes pièces que nous, mais il les place plus vite que nous, il place bien et plus vite que nous. Donc il faut réfléchir vite, comme souvent dans ces jeux là, il faut réfléchir vite et placer les pièces au bon endroit en même temps. Donc l'ambiance du jeu elle est très intéressante puisque vous avez à la fois beaucoup de références aux deux jeux de VS Fighting dont il s'inspire, et également un côté animé japonais avec beaucoup d'humour dans les petites séquences, notamment le personnage de Dan qui est un personnage optionnel, non jouable, qui va intervenir à un moment donné, mais surtout pour faire et dire des conneries et pour nous faire les règles du jeu quand on met pas un pas de crédit, ce qui est vachement important. Donc il y a un petit ressort comique, et notamment les personnages ont des mimiques. Vous avez Morrigan qui va se travestir en Ryu, en Chun-Li dans les petites séquences intermédiaires. Ça va être vachement marrant ça. Non, non, à côté, je voulais mettre à côté. Ah putain, alors là. Mais ça suffit pas, c'est de la merde ce que je suis en train de faire. Les bleus ils sautent. Ah ça c'est bon. Voilà, mais c'est bon, mais c'est pas suffisant. Il va falloir faire un petit peu mieux que ça si on veut s'en sortir. Et là, vous voyez, il m'envoie du bleu, j'en ai pas besoin. Voilà, là ça pète, là ça fait mal. Hop. Là quand même, merde. On devrait crever là, non? Même pas. Vous voyez, là, deux grosses attaques et pas morte encore. Donc là, il faut continuer le harcèlement parce qu'elle va se relever, elle va nous envoyer d'autres trucs. Mais j'ai plus rien à envoyer. J'ai envoyé des trucs. Voilà, j'ai quand même gagné parce que là, elle a quand même pris cher, mais c'était pas gagné d'avance quand même. Hein. Voilà, donc l'ambiance VS Fighting, anime japonais, avec en fait toutes les qualités visuelles et sonores du jeu, il a toute sa place dans votre ludothèque arcade, seul ou de préférence à deux. Un peu plus frustrant quand même face au CPU parce que vous avez la nécessité de jouer vite et bien. Après, face à un adversaire de même niveau que vous, c'est du fun en bas. Voilà, c'est du fun en bas. Là on a un nouveau thème, Sakura, etc. Et on va se conclure là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi ce test de Super Puzzle Fighter 2 Turbo sur arcade. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Doc McCoy. Salut !